Le football, plus belle jouette qui y a dans le monde là, plus belle sport qui y a dans le monde là. FC Barcelone a assez de jus pour faire une remontada sur l'équipe FC Sevilla dans la Coupe du Roi. Dans la demi-finale, qualifié pour la finale de la Coupe du Roi. Mais dans le match aller, l'équipe FC Sevilla a débat 2 goals à 0. Dans le match retour, FC Barcelone a besoin exactement 2 goals à 0 pour mener le match dans la prolongation. Et l'équipe fait un goal dans la prolongation par Martin Braithwaite, eh bien, l'équipe est qualifié pour la finale. Dans la vidéo aujourd'hui, nous parlons est-ce que tu as une pénalité ou non, mais et pour qui ça a la pénalité. Et nous parlons tout pour qui ça équipe FC Barcelone a une assez de jus, qui a une assez de motivation pour être capable de remonter l'équipe FC Séville. Et qui leçon nous a tiré dans le match là, et pourquoi pas, comment ça a en résumé à venir avec goal le bout tout le bagage. Bonjour, bonsoir tout le monde, nous sommes Semien Jalbert. Bienvenue sur la chaîne de football qui c'est pour pas meilleur. Quand nous parlons de football, toute actualité, qui ça la presse l'a dit, et pourquoi pas, nous venons avec quelques petits bagages pour autour de gros matchs. Pas bien sûr que tu as aimé le travail à faire, c'est fanatique football. Mettez un like à la vidéo, ça tourne, ça va vraiment encourager nous à porter plus de vidéos. Vous. Et si vous faites ça, cliquez sur le bouton aujourd'hui à la vidéo à tourner, invitez pour faire ça, pour aider les familles à grandir, et pourquoi pas, pour être connecté avec le monde football. Kounia en allé dans comment FC Barcelone fait faire remontade à ça. The beautiful game. Je nous déjà, équipe FC Sevilla dans le match aller qui débat 2 goals à 0 équipe FC Barcelone. Tout le monde dit c'est fini pour FC Barcelone, saison blanche, etc. Bon. Dans le game qui se passe à la, FC Barcelone montre que le cap a une belle confiance puisque lui-même tout, il bat FC Séville dans le match Liga 2 goals à 0. Ça va remplir confiance. Eh bien, dans le match retour, l'équipe FC Barcelone qui a la même formation 3-5-2 que le campé face avec FC Séville. Eh bien, les gars PD avec Mengueza, Clément Lenglet et pourquoi pas Gérard Piquet. Et dans le milieu de terrain, il mettait 5 moun, donc 3-5-2. Il joue avec Dest comme demi latéral droit, au lieu pour jouer avec lui comme arrière latéral droit. Il joue avec Busquets et pourquoi pas Pedri de Jong et pourquoi pas il joue avec Jordi Alba comme demi latéral gauche. Et devant, il mettait Ousmane Dembélé avec Lionel Messi. Je pense que le système ça avec type de joueur FC Barcelone qui est là, il vraiment fait bien. Bon, on allait toujours commencer à tenir un match. Et qui va se passer sur une occasion pour découvrir ce score là avec une très belle frappe de Ousmane Dembélé, mais quand même pas de cadre. Et bien, allez, et qui va se passer sur un imposé totalement dans le match là. Donc, à tel point qu'il a une possession de balle de 62%, donc dans le premier mi-temps. Donc, il a imposé totalement dans le match là jusqu'à ce que j'ai une ouverture du score avec belle goal ça de Ousmane Dembélé. Donc, son goal qui est magistral, son goal qui est vraiment exceptionnel. Parce que dans un goal fait goal là, dans la circonstance que Ousmane Dembélé fait goal là, tout le monde pensait qu'il n'y avait pas de goal là. Donc, je remets belle goal ça, belle frappe ça. Donc, Ousmane Dembélé qui cherchait l'espace là. Donc, tout le monde pensait qu'il n'y avait pas de passe à droite ou du moins il se fait passer au Lionel Messi. Mais il met une belle frappe pied droit qui n'est pas pied normal là, mais quand même qui met une belle goal pour l'équipe FC Barcelone dans un goal à 0. Avec un goal à 0, les moments où un goal ça, on dit que bon, bien qu'on est comme ça, l'équipe FC Barcelone qui a mené un goal à 0, tout le bagage possible dans le match là. Et qui veut servir l'alien qui seulement a défendre dans le propre match de Rimpal. Ça a été là, bon, et qui veut servir a dominé, il va faire un pile frappe dans le camp, donc pile frappe était passé dehors. Nous allons défendre à faire 3 tirs cadrés, mais 2 tirs cadrés seulement, donc pour un goal dans le premier mi-temps. Deuxième mi-temps a commencé, et qui veut servir son alien continue à tout faire, équipe FC Séville. Mais avec changement que on a commandé fait dans le match là, donc l'équipe FC Sevilla rythme Livin. En fait, l'équipe Barcelone rythme Livin Cassi. Donc avouer ça. Donc l'équipe FC Sevilla qui commence à attaquer. Les lignes retirées d'Est, et bien définitivement, ils viennent montrer encore une fois fragilité défense de l'équipe FC Barcelone. Puisque ils passent un système 4-3-3. Donc il y a Mingwenza qui vient jouer latéral droit. Après ça, il y a Piqué l'anglais et pourquoi pas Jordi Alba qui vient tourner. Griezmann vient monter pour jouer dans le système 4-3-3. Et bien définitivement, plusieurs autres changements, etc. Retirer Mingwenza, retirer plusieurs autres monde. Donc, l'équipe FC Sevilla qui vient commencer à monter. Avant que Mingwenza sorti, dans le monde, FC Sevilla son bel contre-attaque. Et Mingwenza, il commet une pénalité.
En pile monde dit les deux balles carton rouge, en pile journal a plein de ça etc. Mais moi même parole comme un carton, je pense que c'est pas l'unité dernier défenseur, bien que c'est un faute qui n'a pas rien etc. Donc moi pense que pénalité a bien sifflé, carton rouge là bien pas de bail. Bon ça c'est opinion pas. Selon l'autre opinion, mettez dans le commentaire et dites qui ça. Lucas Ocampos prend ballon, il shoote vraiment mal. Il va bon que pas shooter là et puis il shoote dans mi-temps encore. Vous avez fait que M. Testegen prend le ballon sec. J'aime comme il est là, dans bon langue créole. Eh bien, ça qui retire tout, nous avons dit un bel espoir pour FC Séville. Pour qui ça? Parce que à 1 à 1, l'équipe FC Barcelone est obligé de battre 3 goals de différence, 4 goals à 1 pour te qualifier directement. Et pourquoi pas? Donc, si tu arrives à faire 2 à 1, il t'a éliminé. Et pourquoi pas 3 goals à 1 pour te éliminer? Pour qui ça? Parce que dans le match, l'FC Séville bat 2. Et pour papa, tu as fait un goal quand FC Barcelone a fait 3. Donc, tu as fait 3 au total. Si FC Barcelone a fait 3 tout, donc 3 goals à 1, donc tu as fait 3. Et tu as vraiment mis à égalité. Et pour papa, un goal de la caillou. Donc, l'équipe FC Barcelone est capable de toujours éliminer. Donc, goal, ça signifie en pile bagaille pour l'équipe FC Séville. Donc, tu arrives à faire, pas de problème. L'équipe FC Barcelone a fait tout changement possible. Donc, je crois 4 ou 5 changements. Et puis qui va essayer de tout faire équipe FC Séville. Bon, nous avons dit équipe FC Barcelone qui n'a pas perdu espoir jusqu'à la dernière minute. Il y donc moi je suis monsieur vraiment fautif, ou bien nous avons dit monsieur favorisé qualification FC Barcelone, défenseur ça qui est Diego Carlos. Et bien, il y a un ballon qui prend le corner, monsieur, il y a une option pour quitter le ballon à le corner ou du moins se mettre l'enjeu. Monsieur volé, bon, il dit, à mon créole, il dit, l'or pas dans bien, même l'être carré qui a cassé tête. Monsieur volé, ballon souligne, là, ok, presque à le corner, il volé pour mettre le ballon ça en jeu. Malheureusement pour lui, c'est Griezmann qui rejoint le ballon ça. Griezmann fait fête, là, comme c'est la remontée avec le ballon, mais il retourne cassé sous lui-même, et pour papa faire un centre qui va le mettre dans la dernière minute, dans la dernière seconde, et bien, piquer, mettre ton tête dans le camp, s'entendre à tout. 2 goals à 0 pour FC Barcelone, eh bien, nous gagnons prolongation dans la rencontre. Le match que FC Séville nous a dit, c'était vraiment défendre, eh bien, c'était attaque contre défense. Eh bien, FC Barcelone qui était quoi jusqu'à la fin dans la qualification. Nous avons dit ça, donc, si vous connaissez ça, que Diego Carlos lui-même, il a mettre en jeu encore une fois, donc, Lionel Messi a ajouté bien rapide, donc, FC Barcelone était vraiment quoi jusqu'à la fin. Non et qualification ça. Dans prolongation, il y a un ballon qui frappe non mais l'Anglais a fait un pile parler en pile jusqu'à maintenant. Pour qui ça? Ballon non opinion pas, ballon comment ça vient lié? Qui ça règle FIFA lui dit non ballon ça. Si Méon a contré avec ballon pénalité. Si ballon était prend direction quand même si c'est pas Méon qui t'a rencontré c'est ballon qui vient contre Méon. Donc, il empêche le ballon d'aller en direction de pénalité. Si le ballon a frappé sous corps, sous vent ou quelconque, après ça rajoute le ballon, pas de pénalité. Si ça fait valoir, fait check-in, non? Et puis, il voit que le ballon frappe dans l'estomac, après ça rajoute le ballon, il n'y a pas de pénalité. Non, opinion, bam, selon les règles jouées là, pas de pénalité. En plus, le monde n'est pas d'accord avec ça, il a dit que c'est favorisé, favorisé FC Barcelone, mais. Pas de pénal d'après moi-même et d'après les jouets. En tous les cas, de beautiful game. Et bien, encore une fois, mes amis, il y a un autre ballon, Jordi Alba lui-même. Mais il faut que nous rappelons tout, Jordi Alba, il a fait une belle action ça, ok, dans le match ça, qui a fait un bel rôle pour FC Barcelone, qui a même monté dans le Puskás. Un bel volet, donc il a frappé sur le bâton de la salle. Maintenant, les deux jours, donc Jordi Alba centré, il y a une belle plongée de Martin Braithwaite, que moi, en pile, nous allons parler de lui. Par contre, vous avez assez fort, peut-être que vous n'avez pas aimé. Mais je pense qu'ils font un bel projet et qu'ils mettent le troisième goal pour FC Barcelone. Un goal qui va être qualification directe pour FC Barcelone. Il y a un pile d'autres bagages qui passent dans le match là, tout, carton rouge, etc. Ça ne va pas venir sur eux. Mais quand même, FC Barcelone qui a assez de jus, qui est quoi jusqu'à la fin, qui est capable de jouer une qualification. Ça. Il y a besoin de 2 à 0 dans le règlement de l'Ijouenni. Et pourquoi pas de besoin de 1 à 0 dans la prolongation de l'Ijouenni. Félicitations encore une fois avec FC Barcelone. La grande question qu'on a, est-ce que le Bacaval fait le doux face avec Paris Saint-Germain dans la Ligue des Champions? On a force manger que FC Barcelone a besoin de 3 goals, ok, 3 à 0. Donc à 3 à 0, puisqu'il a fait 4 goals à 1, donc il a démarqué la Kaili.
Donc 3-0 FC Barcelone pour pouvoir passer. Parce que ça fait 4-4. Équipe Paris Saint-Germain a marqué 4 goals à l'aller à FC Barcelone. FC Barcelone qui a besoin assez de jus pour faire 4 goals à l'aller s'il besoin de la prolongation. Tout. Mais 4-0 s'il besoin de gagner, qualifié directement. En tous les cas, mesdames et messieurs, qui sont pensés de match ça? Qui sont pensés de remontada ça? Est-ce que FC Barcelone a montré qu'ils sont une équipe tout bon vrai et le yon bagay pendant la saison ça? Ou du moins, est-ce que vous pensez que c'est un coup de chance qui fait que FC Barcelone li gagne dans le compte si là? Et pas oublier, mes amis, mettez dans le commentaire, est-ce que vous pensez que Abicho vous a favorisé FC Barcelone pendant le football ça? Et pourquoi pas, mettez ou même tout qui s'est fanatique FC Barcelone, commentez, vive dans le compte ça. Souriez mes vidéos ça, sous ces fanatiques FC Barcelone, faites-moi nous. Partagez, mettez like. Si vous êtes fanatique football, partagez au maximum pour que vous connaissiez l'opinion de l'autre ami. Je suis vraiment content de vous apporter des vidéos pour vous. Pas oublier mes amis, ça me saute dire là, c'est opinion pas. Mais pas oublier sur les opinions pas, mettez dans les commentaires. À la prochaine dans la vidéo, que bon Dieu bénisse. Pas oublier, réparer dans nous pour retourner ça sur le bail qui est essentiel. The beautiful day!